Bon, Jean-Marc, on se retrouve un petit peu dans la pièce, pas noble du porc, mais c'est vrai que très souvent le jambon, jambon braisé, jambon à l'os, etc., Jambon etc. blanc, oui. Voilà, c'est quand même une superbe pièce. Donc, dans ce jambon, tu me disais, il y avait plusieurs parties. Donc, on va commencer par le bas. Alors, le pied. Pied de porc qu'on utilise, qui ramène du gélatineux, etc., pour Gélatineux. plein de choses. Le jambonneau. Le jambonneau, donc à ne pas confondre avec le jarret qui se trouve Dans l'épaule. dans l'épaule. D'accord? Le jambon entier. Oui. Et nous, on va faire une levée du quasi. D'accord. Et que nous, on utilise dans notre boutique uniquement pour faire du jambon fumé. C'est le fameux forêt noire ou des choses comme Alors, ça? forêt noire, c'est une appellation. Mais ça s'est tiré là-dedans. Oui, pas tout à fait. D'accord. Ok. C'est sur un désossage à plat et à creux. Hein? D'accord. D'accord? Donc là, tu vas nous faire voir comment tu fais toi dans ta boutique. Allez. Ok, c'est parti. On va lever. Et puis, il y a aussi la queue. Hein? La fameuse araignée. La fameuse araignée, ouais, d'accord. Alors, Donc ça qu'on peut griller, qu'on il y a des gens peut. qui la grillent, donc nos deux petites artères qui montent, hein. Donc qui sont par là qu'on va saumurer les Voilà, tout pièces, à hein. fait. Donc on va un peu dégager par ici. Est-ce que tu pourrais me prêter la scie, s'il te plaît? Avec grand plaisir. On va mettre là pour que Jean-Michel voit le mieux. Tu peux Voilà. juste légèrement lever. Voilà. Voilà, alors on va faire une découpe un peu. Donc jusque l'os, hein, c'est ça. Le grand Voilà. couteau. Voilà, donc là on fera un jambon à l'os ou un jambon supérieur. Ouais. Et là, on va désosser cette partie-là. Et je vais vous la préparer tout de suite dans la Pour faire foulée. voir comment on fait. Voilà. D'accord. Donc je vais mettre ça de côté un petit peu. Alors, pourquoi nous avons choisi ce morceau-là? Tout simplement, c'est le morceau qui va être le moins sec et qui va rester le plus moelleux pour faire du fumé. D'accord. Donc toi, tu fais encore ça en fumage tout à fait traditionnel chez toi, dans ton fumoir. Fumoir traditionnel. Alors avec toujours les copeaux de hêtre, etc., etc. Alors, pas que, c'est Pas chêne, que. c'est toujours des mélanges chêne et hêtre. Chêne et hêtre. D'accord. Alors, c'est clair, on fait un petit peu. Alors tout ce que tu enlèves là, bien sûr, toi, tu réutilises. Hein, Tout est c'est pas réutilisé. séhaché, Bon. séparé. Sauf les Ouais. aponévroses dures, mais ça, je les trierai D'accord, tu détrieras plus plus tard. tard. Voilà. Et tu découennes? Non, Tu laisses comme là, on ça. laisse, oui. C'est ce qui va donner aussi du goût, etc. Donc là, on a cette magnifique pièce ici qu'on peut voir. Voilà. Donc splendide. On va voir si Jean-Michel ouais, s'il peut nous prendre ici. Donc ça, jambon fumé. Jambon On est fumé. bien d'accord. Alors juste à titre indicatif, c'est mis un peu au sel quand même. Alors au sel. Combien de 24 Alors, heures? non, 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 non. Alors, sel sec. Sel sec. Gros Donc sel. combien de temps alors? Hein, quand même 15 jours. Hein. 15 15 jours, hein, jours. d'accord. Entre 15 et 20 jours. D'accord. Je les mets sous vide Ouais. avec les épices qui vont bien. Ouais. Et tous les 3-4 jours, je retourne mon sac sous vide. D'accord. Hein? Pour justement que ce soit bien Voilà, imprégné. tout à fait. Et ensuite, c'est fumoir combien de temps ça? Alors, le fumoir, alors, en saison comme maintenant, il faudra un tout petit peu plus, on va dire entre 8 et 12 jours à peu près. Ah, quand même! Ouais, mais tout doucement. Ah, Hein, d'accord. on Donc les un fumage accroche, à froid, fumage à froid, et puis tu les laisses tranquillement.
Voilà, on remplit notre bac à sciure et on les oublie la journée, et puis le lendemain, on recommence. Parfait. Donc maintenant, on prend le jambon. Le jambon. Allez, devant-toi. Alors, il me faut juste encore une fois la scie. Oui, je te le prête. Pour le petit... Voilà. Donc le fameux pied. Le pied. Voilà. Pied de porc, donc un parti très gélatineux, hein, très, très moelleux. Alors je vais juste Ah, pourquoi toujours cette habitude un peu de saumurer les jambons, etc., chez les bouchers charcutiers? C'est pour garder du volume? C'est pour qu'ils restent plus moelleux? C'est, Alors, parce que ça, c'est aussi une question que j'avais envie de te poser depuis longtemps. Alors, Pierre-Paul, le fait de saumurer les viandes de porc, c'est aussi une question de conservation. À la base, c'est aussi pour les conserver. D'accord. OK. Ensuite, tout charcutier artisan qui se respecte va être honnête. Si ce jambon fait 10 kilos, avec sans os et sans les petites poupouilles qui sont pas bons, il le saumure, il le cuit, il faut qu'il ait un rendement, allez, qu'il lui reste 9 kilos. D'accord. D'accord. Donc on est à peu près 10% de perte, 10% pas plus. De perte, hein. D'accord. On ne vend pas d'eau à nos clients. Ouais. On vend de la viande. Ce qu'on retrouve un peu quand même dans l'industrie. Alors les industriels, ils font eux des rendements à 120, 130, 140. Pour cent en plus. Donc un jambon comme ça qui fait 10 kilos au départ, il va faire 12 kilos une fois qu'il va sortir. Quoi. Tout à fait. D'accord. OK. Incident clos, on ne va pas aller plus loin. Voilà. Alors on peut encore ajouter une chose. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a une grande guerre entre nitrate, nitrite, etc. Nous, on a choisi donc de baisser le taux de sa nitrité. Oui. Alors, il y a toujours un choix et une raison. On a décidé, nous, de saler avec 10 grammes, au 100, enfin 100 grammes au litre, ok. Mais il y en a d'autres qui disent, ben nous on a arrêté ça et on prend des extraits de plantes. Donc ils prennent ce qu'il faut, des jus, des tirés, des côtes de blettes, etc. pour remplacer le nitrate. Ouais. Mais la nature, tu sais que pour faire pousser les plantes, on va mettre de l'engrais. Alors à un moment, les gens, il faut qu'ils restent raisonnés, quoi. Voilà. D'accord. Voilà, c'est une parenthèse. On va quand même rappeler que le sel nitrité, c'est aussi pour garder un petit peu la couleur, c'est bien ça? La couleur un peu rosée, oui. Un peu rosée, d'accord. Hein? OK. Mais c'est surtout aussi, avant tout, une question... Alors, de conservation. De conservation. Quand on sale avec pas beaucoup de nitrate, enfin de nitrate ou de nitrite, ouais. Les gens... Il y a une maladie qui a disparu, hein, qui s'appelle le scorbut, mais qui pourrait réapparaître. D'accord. Ça, pour nous, 10 grammes, c'est 10 grammes plus 8 grammes de sel fin. Voilà. Parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur ce jambon? Plus rien. Alors, sur ce jambon, plus rien. Tu vas l'utiliser en tant que tel. En tant que salaison. D'accord. Donc on va juste y remettre l'ensemble des pièces. Donc on a le petit pied, on a le petit jambon qui est donc précisément plutôt utilisé pour faire du jambon fumé. Tout à fait. Ensuite, ces petites pièces ici que tu vas réutiliser certainement pour tes hachages, etc., etc. Voilà. Et la petite araignée qui est ici, qui peut être grillé comme ça, simplement passé sur le grill. Mais aussi notre queue. Et la petite queue de cochon que tu utilises là aussi pour faire... Bake-off. Exactement, dans le bake-off, comme le petit pied de porc qu'on a là. Les amis, le jambon, bien sûr, on va maintenant finir notre découpe du porc avec la poitrine. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour la poitrine.